Ouais, ça risque de softlock en effet. Alors. Tout a l'air ok. J'ai essayé de compter hein, toutes les rencontres aléatoires cette fois-ci, c'est-à-dire compter les fuites non réussies comme une nouvelle rencontre aléatoire pour avoir une estimation un petit peu plus juste, avoir des meilleurs repères. Faut que je le fasse d'ailleurs dans mon PB aussi. Histoire de voir ce qui est meilleur que mon PB ou non. De la poule hein, à droite. Je crois au procès de DSK. Ah là là, ah là, ah. Fous-moi la paix. Bon, les splits, moi, je trouve que ça va. J'en ai pas besoin de plus au final. Ah, tu vas mettre des speeds différents sur les boss carrément. Wow. Après, ça fait beaucoup de splits. Hein. Oula, cause virage raté. Parce que c'est vrai que tu sais quand t'as foiré ton segment quoi au final. Ah, très bien ça. Cette réussite sur les fuites. Ouf. J'ai pas passé la porte. Ah, elle est placée là. Ah, visée aussi. Oh là là, ça se passe mal.
Ouais, bon, on va essayer de fuir, et puis si on meurt, on meurt, hein. Ok, elle est passée. Ah oui, on m'a raté ça. On va peut-être jouer sécurité quand même. Même si c'est pas bien engagé déjà. Ça qui sort. J'avais appuyé. Oh, sérieux? Ah, 6-12. Oh, c'est pas incroyable, c'est pas trop mal. Attaque. Loin de HP. On a peut-être dû tenter le dernier hit, mais le problème c'est que s'il miss, voilà. Toujours le souci quoi. Même pas sûr qu'il en reste pas deux d'ailleurs en plus. C'est vrai que c'est quand même sa première personne, ouais. Ça dépend, c'est vraiment étrange, hein. Il y a des jours, il y a des gens, l'autre, il y en a pas, tu sais pas pourquoi.
Bon, il était pas génialissime cet affrontement. Pas de génialissime ce premier split. Ce forcing sur la poule. À peine 30 secondes. Tout le monde doit être en train de jouer avec sa New 3DS, Monster Hunter 4 ou Majora's Mask, c'est pour ça. Ah si, il y a moyen de passer en fait, si on frôle vachement bien. Ok. On peut passer ici, on a... sans rectifier sa trajectoire. Ah mais ceux qui l'ont déjà, c'est ceux qui ne l'ont pas précommandé, hein. Ça c'est toujours pareil. Ouais, j'ai raté mon entrée par contre. Ouais, il a l'air d'être précis en effet, l'angle pour pas se manger la montagne, mais des fois ça passe. C'est comme l'angle là pour. Enfin, la trajectoire pour sortir sans se prendre la gamine là, enfin. La glandue qui est au milieu là, qui me fait bien chier. Vous pouvez pas placer un perso ailleurs, sérieux? Juste devant.
Oh, c'est pas beau ça. Ah, wow, c'est quoi ça? C'était quoi ce passage n'importe quoi? Aïe aïe aïe. Oh, nice. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah oui, merde. Pourquoi il était sur... Ok, je sais pas pourquoi il était resté ici. Ouf. Bon, c'est pas grave. Oula, c'était pas bon ça. Le virage était pas du tout bon par contre. Ah! Not you! Merde, putain, j'ai déséquipé mon épée! Non mais sérieux? Putain, mais c'est pas vrai! Ah non, mais jusqu'au bout quoi! Ah, je réussis la fuite! C'est n'importe quoi ce run! Le freinage qui ne passe pas. Ah, ce jeu. Il est vraiment horrible avec son inertie dégueulasse. Mais déjà, j'ai même pas compris pourquoi mon curseur... Ah, ça va pas passer, ça. Ah, ça va pas passer. Ça passe, peut-être. Ah, ça va tellement mourir d'un fois. Oh là 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 là. Alors, j'aurais pu avoir un combat de moins. Enfin, bref. J'ai même pas compris pourquoi je suis resté bloqué... sur le... sur les objets... sur les... l'équipement. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mon curseur pour rester bloqué là, en fait. Bon, bref. C'était pas bon. Ah, mais j'avoue, attaquer le squelette avec ses petits poings musclés... C'était n'importe quoi, ce passage. Ah... Là, il y a du niveau là sur ce stream. Hein. J'ai quand même sauvé 4 secondes, je sais pas comment j'ai fait. Non mais par contre, faut m'expliquer quoi. J'ai fait un segment dégueulasse avec Jack et j'arrive quand même à prendre 4 secondes. C'est n'importe quoi. Putain, j'en ai vraiment fait des saloperies avec lui. Hein. Mmh. Oh, Carlton. Ah ouais, là... Thank you.
Bah, c'est ouais, c'est ça, hein. C'est la strat à main nue, ça augmente tes chances de fuite, en fait. Quand t'arrives main nue, le squelette est tellement impressionné que du coup tu la sueur. Ouais, ça travaille des strats très très élaborées sur ce stream. Hein. Ah, il y a de la R&D en permanence. Ah, mais celle-là. J'avoue, ils y avaient pas pensé. Hein. Arriver main nue face au squelette. Meilleure optimisation. Ah, cette musique. Pour des raisons budgétaires, cette musique de Abyss a entièrement bruité à l'anus. Faudrait que je teste la distance max entre Cécilia et la table pour activer l'ouverture là du. À l'accession, ouais, enfin, l'accès à la. La Pocket Watch. Ta 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 ta. Ouais, ça a l'air assez violent. Je sais que moi je me suis aligné avec le bord du lit, ça fonctionne, mais je sais pas si tu peux aller encore plus en retrait quoi. Mais c'est vrai que c'est impressionnant là à cet endroit. Alors qu'il y a d'autres, je suis sûr que dans le jeu, bah ça marche pas d'ailleurs dans d'autres endroits. Si t'es pas collé à la porte par exemple pour ouvrir la bibliothèque secrète, il me semble que la porte elle te fait un beau bras d'honneur hein, si t'es pas collé contre le mur. C'est marrant, alors qu'ici, bon bah t'as toute la pièce quoi. C'est ça qui est assez spécial quand même dans le jeu. Il y a des fois ça demande beaucoup de précision et il y a des fois rien à foutre. C'est comme la grue, il faut prévoir son déplacement quand on voit ton coup de Nikita. Ouais, je suis parti où moi. Oui.
Bon, j'ai pas trop fait de la merde avec les magies, ça change. Bien ça, 3 livres. En plus, ils ont pas attaqué. Ce bruit quand elle prend le livre quand même. Va pas me dire. Contre un livre, ça c'est pas terrible. On va s'assurer le pet disease, la peste. Ouais, c'est mort. En fait, level 2. Ouais, c'est à partir du moment où tu prends qu'un seul ennemi. J'étais plus loin que je pensais en fait, je suis trop avancé. Cette livre Ah mais que si, t'as reçu que cette livre en fait. Ouais, que si t'as combattu que cette livre. Parce que ça marche pas genre si t'as deux fois trois livres et des livres et les autres là. Je sais même comment ils s'appellent, les trucs qui ressemblent à rien. C'est pas sur ce segment qu'on va gagner du temps, on va en perdre. Je vais repasser dans le rouge hein, à la fin de ce segment. Ah, c'est une grosse contre-attaque. Thanks, Ivan.
Ça c'est marrant, j'ai toujours l'impression que c'est une espèce de gant qui tombe. Une sorte de gant de toilette. Et non, non, en fait, j'ai récupéré la rune d'eau. Ah. Reste quand même dans le vert. Oh, j'aurais cru. J'aurais cru que je serais passé dans le rouge. C'est quoi dans un spray de compte toilette? De gang de toilette? Ah ouais, je me disais aussi. Comme ce manga Gantz de toilette. Enfin, en forme de la vanne. Je pense qu'on peut rater ce stream. Ah. Attends, j'ai pas traîné, hein. Oh. Boum. Ah.
Oh, celui-là. Ah. Putain, le deuxième, il est sorti éclair, hein. Putain. Yes. Soundtrack is really, really good on this game. Ce qui va être embêtant, c'est pour les tuer, quoi. Tour contre-attaque qui sert à rien, il faut perdre du temps. Le blast, je tenterai, mais je suis pas sûr que ça leur fasse beaucoup de dégâts. Ah, quoique les sortilèges ont... Ouais. Ouais, je tenterai le blast. Mais je crois que c'est pas très très violent sur eux. Hein. Il me semble que j'avais déjà essayé et... sur les turquies, c'est pas... C'est pas ça. Hein. Ah non, là, après, si c'est dommage, quoi. Si j'avais pu sortir des powers, ça aurait été nickel. Surtout qu'en plus, je pense qu'ils sont un peu lents, quoi, dans, dans leurs diverses attaques. Quand ils font le mind damage et d'autres choses comme ça, c'est pas terrible, quoi. Ah, par contre, s'il me sort des critical hits, Rudy, ça peut arranger la chose. Ouais, tu penses que les bonus mystiques, c'est one-shot? Parce qu'il me semble qu'une fois, je suis arrivé contre eux avec les mystiques et ça faisait pas grand-chose en blast. Peut-être que j'avais pas pris les mystiques encore. Pourtant, il me semble que si, parce que c'était un groupe d'ennemis que j'avais rencontré parce qu'il me manquait, genre, je sais plus quoi. Ah! Bon, écoute, on va tester. Ah, si, ça va. Tant mieux.
je pense à donner mes powers à Willy. Ça sent, c'est pas beaucoup. Non, ça va, 500, c'est honnête. Ah! Parce que j'ai donné les powers, tout ça pour me faire kill Ruby en plus. Tellement joie. Ah non! Pas le temps de sortir son laser tout de suite en tout cas. Oh! Nice! J'aime bien cet arrêt. La musique des fois quand on coupe trop vite, c'est marrant. Quand on court et qu'on va à un endroit et que... Je dois changer la musique, c'est vrai que des fois ça fait des petits sons assez étranges. Yeah, I know. Allez là. On veut tuer un George Jack, in fact. Je préfère do another thing with this character. We need only two characters here for the duplicate. That is to say, the duplication of items, and to do out of band, because you can do this this dungeon with only two characters. You need three characters. Ouais, ça va pas me faire gagner beaucoup de temps, hein, même si c'est, il était quand même trop propre cette tombe. Elle était plutôt propre cette tombe. Pas être non plus un gain de temps incroyable. Je pense que je me suis pas pris les dindons, ça aurait été encore, enfin les turquies, là, ça aurait été encore un peu plus rapide. Ouais, j'ai pas gagné grand chose, hein. C'est hallucinant. J'ai un peu merdé en entrant. Oh, je suis pas tourné. Alors. Ok. Ok. Bon, c'était pas rien.
Ouais, le blood. Gold. Mais bon. Ah, j'ai pas été très rapide là ici. Ouais, je perds un petit peu de temps. T'es un peu rouillé là, en termes de vente d'items. Ce placement sur le perroquet, c'est un peu n'importe quoi, je dois bien avouer. Ah mince, pas assez de calais. Dommage. Oh.
Ouais, c'est du machine, ouais. Y a pas moyen de maintenir un bouton pour utiliser les objets. Les ennemis, c'est pas terrible. Bon, ça passe au floc. Ah, c'est un nouveau pibi. C'est un nouveau pibi, mais c'est pas encore très satisfaisant. Donc la plus grosse amélioration, j'ai quand même, si j'ai gagné 3 secondes. Je pense que les 3 secondes là, le best segment sur le dernier, ça vient du placement sur Jack qui a été trouvé très très rapidement. Ouais, l'ancien machine, oh là là, ouais, t'avais beaucoup plus de tas de pommes en fait, hein, c'était très très violent quoi. T'avais, je sais plus, quasiment 8 tas de pommes de Hardy, 6 tas de pommes de Power, enfin il y en avait un tas de... C'est vrai que tu passais quasiment une dizaine de minutes à mâcher, là ça va. Donc là j'ai fait une belle tombe, pas dégueu, pas dégueu, pas dégueu. Mais voilà, encore une fois, le problème, là bah, c'est Rudy quoi. Je peux encore gagner facile une 30. Et puis sur Jack aussi, hein, parce que Jack, j'ai fait un segment vraiment dégueu. Et je suis resté quand même dans le vert. Longtemps, mon best segment est à 53-11. Ouais. Oh, le segment avec Jack, il était dégueulasse, putain. Alors, celui-là, je le uploaderai pas à Pibi, hein. J'attendrai d'améliorer. Elle est trop moche, quoi. Sérieux. Je le foutrais peut-être juste en highlight sur Twitch, parce qu'on est sur Twitch, mais sinon, il est pas beau. Hein. Vraiment mauvais, celui-là. Ça, c'est pas les beaux Pibi, ça. C'est pas les Pibi genre thème, quoi. Bon, ok, il y a une amélioration de temps, mais... Ah, la tombe était pas dégueu, à part le premier OOB que j'ai mis plus de temps à sortir. Les autres, ça a été assez propre. Attends, le deuxième OOB, il est sorti quasiment tout seul. Placement, bim, hop, et ça repart. Ouais, mais si tu tweets Skull, il y a au moins 3 personnes qui vont le voir. Qui vont le voir. Ou qui vont être au courant, ouais. Ah, bon, c'est quand même un nouveau PB. C'est vrai que c'est une petite amélioration. Sachant que j'ai perdu ouais, quelques secondes très bêtement. Enfin, très bêtement. Des secondes de sûreté dans le magasin. Donc c'est vrai que normalement, j'aurais dû... s'il devrait avoir 6 secondes de moins, quoi. On devrait plus tourner autour des 15 que des 19. Mais bon, ça c'est pas très grave. Du coup là, ça tourne à peu près autour de 21, on va dire 21 affrontements. Pas vraiment des combats aléatoires, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais du coup ça donne une meilleure idée, je pense. Donc là, avec celui-là, 21. Sachant que contre Jack, j'aurais dû en avoir un de moins, facile. Ouais, t'as pas dû en avoir beaucoup, toi. Même en comptant les nouvelles confrontations issues de fuites ratées, t'as pas dû en avoir beaucoup, hein.
Mais c'est vrai que le segment avec Jack, alors celui-là, dans genre n'importe quoi. Ah, ce petit bibi, je pense que ça mérite complètement une banane. Ça mérite totalement une banane, un petit bibi comme ça. Combats et une fuite ratée, ouais, donc ça ferait 15 avec mon décompte, ouais, c'est ça, c'est... T'as eu une fuite ratée sur tout le run? Putain, sérieux. Tu m'étonnes le gain de temps, quoi. Ah ouais, ça va, tu veux pas te plaindre d'avoir eu en embuscade. Un guet-apens. Il y a tout le chef de l'acre. Donc 14, ça ferait 15. Donc déjà, ouais, si je tournais autour de 17 avec ce compte-là, ça serait déjà pas si mal. Parce que, ouais, enfin, même 18, c'est déjà pas mal. Hein.
Alors, on parle de Wild Arms. Ah oui, c'est vrai que t'as pas eu de combat sur la world map. Alors ça aussi... Bah, le plus... Ah si, t'en as eu un avec Rudy ? Ah, je croyais que t'en avais pas eu... C'est pas dans celui-là où t'en avais pas eu un avec Rudy en revenant ? Parce que celui-là, c'est assez rare quand même, hein, quand tu ramènes Rudy de son prologue et de pas avoir de combat aléatoire. Ouais, si, t'as dû en avoir un, parce qu'en plus, tu t'es pris la montagne dans ton PB. Il me semble que c'est dans ce run-là où tu te prends la montagne en sortant du Surf Village. Ouais, celle qui est si tricky, là, à prendre. Bon, là, c'est sûr que la tombe peut être encore améliorée, parce que je pense que... Au final, j'ai eu un combat que j'aurais... Si j'avais pu ne pas avoir le combat contre les Turquies, je pense que ça aurait été bien. Et celui-là, ouais. Ah, c'était un jeu de mots, Code Out. Oh là, ça va trop loin. T'as pris la montagne deux fois et t'as pas eu de combat. Ouais, non, mais bon. Après, il y a un moment. Faut arrêter, quoi. C'est plus de l'aléatoire, ça. S'il y a des gens qui se promènent sur des maps et qui n'ont jamais de combat aussi, comment veux-tu? Opti ton bibi. Ouais, Opti, je sais pas, est vachement chanceux, ouais, optimisé, je sais pas, parce que du coup, il y a quand même la montagne que tu te prends deux fois, les noms aussi, tu vérifies, il y a des trucs que t'as vérifié aussi. Mais ouais, c'est clair que la RNG, en fait, là, pour avoir les mêmes conditions, et puis quand tu les as pas foirées, quoi, c'est surtout ça en plus, c'est que quand t'as ces conditions-là pas foirées, bah putain, force veto encore. On va se refaire quelques petites tentatives là. J'attends juste la fin du. On va dire la fin des scènes cinématiques avec le moteur du jeu. Je couperai au générique parce qu'après. Déjà, il faut que je cravache pour essayer de tomber à 54 minutes. Essayer de battre le temps de Chaos. Ça, je pense que c'est faisable. Même si déjà, il faut une bonne RNG pour ça. Ah, je vais couper la capture.